Eh bien, salut tout le monde, mes amis, on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour l'épisode 6 du Let's Play de Batman Arkham Knight. On s'était quitté la dernière fois où Stax s'était fait livrer tout simplement pendant que nous on était en train de délirer complet avec Joker. Voilà. Alors, bon, on va regarder ce qu'on doit faire. Voilà, tout simplement. Même si je sais pas moi-même ce qu'on doit faire. Mais bon, on va regarder, on va regarder. Comme je vois, Joker est là, c'est qu'il y a des choses à faire. Stag est avec l'épouvantail sur le deuxième dirigeable. J'ai effectué une analyse des plans, et il semble être défendu par des tourelles automatiques. Il y a un terminal de sécurité dans le laboratoire situé à l'arrière du vaisseau où vous vous trouvez. De là, vous devriez pouvoir désactiver les tourelles. Et... alors... presque, Pato. Je t'ai presque senti perdre le contrôle. Encore un peu de ce délicieux gaz de terreur et tout sera fini pour toi. D'accord. Alors là, on doit sûrement... ouais, ok, joie. Joie, d'accord. On va devoir passer. Alors toi, tu te verrouilles. On va devoir arrêter. Bah, il faut se créer son chemin à soi-même. Toi, je te verrouille aussi. Tu peux aller à l'intérieur ou pas? Voilà, et maintenant on le fait revenir. Soit on te verrouille. J'essaie de me créer mon chemin. Hein. Comme ça au moins j'aurai pas à revenir. Enfin je pense parce qu'il faudra voir du haut, alors je pense qu'il faudra revenir. Voilà, au moins le chemin est plus ou moins fait. Et bon, on pourra normalement le faire en ligne droite. C'est parti. Alors. Tu croyais m'avoir arrêté à East Chemicals, Batman? Tu n'as fait que retarder l'inévitable. Gotham est à moi et j'en disposerai comme je veux. Je peux dire la même chose. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Je vais péter le mur. Allez. On pète le mur, attention! Allez, c'est parti, go! Attendez, hein. Ouais, finalement, je vais devoir refaire un vue d'en haut, finalement. J'ai gagné du temps, mais pas assez. Voilà. Il faut, je suis vraiment obligé de refaire un vue d'en haut. Voilà. J'arrive juste pas à comprendre comment tu veux qu'il arrive à l'intérieur. Moi, je ne comprends pas. Parce que je peux pas le verrouiller en réalité, à cause de lui. À moins de faire ça, voilà. Et avec le dé... non! Ah! C'est pas possible! Non, je vois pas. Là, j'avoue, là, je suis un peu bloqué, là. Attendez, deux secondes, hein, deux minutes. Je sais que c'est chiant, mais j'essaye de trouver un moyen. Ah, mais je suis trop con! Oh, je suis tellement con. Pourquoi m'amuser à le mettre obligatoirement dans le trou? Le trou, quand tu regardes, c'est pour aller dans le casier pour l'homme mystère. Moi, j'en ai pas besoin. Je les fais pas. En clair, ouais, c'est bon. Bah, oh là là, je suis pas très intelligent, moi, des fois. Et là, on le déverrouille. Ah non, même pas le déverrouiller. On fait venir celui-là. Voilà, nickel. C'était si simple. Pourquoi je compliquais la vie, moi, je dis, hein? Merde. Et c'est parti, allez. Mot de passe. Nickel.
On arrive! Sérieux là, encore un mot de passe? Allez. Nickel. Tyrolienne. Amusons-nous, c'est parti! Ah merde, ah ça n'a rien à voir, oh là là. Je me trompe. Faut revenir, allez go! Là-bas, ce n'est pas toi que j'essayais de tuer. J'en avais après ton esprit. Alors, toujours ami? Mais oui, on est toujours amis. Amis pour la vie. Et puis, c'est pas ma faute. C'est celle de l'épouvantail avec sa pulsion miracle, Joker et Fion. Il y en a partout, quoi. On est dans un dirigeable. S'il entre ici, il est mort. Surtout, ne vous emballez pas. Vous n'êtes rien à côté de lui. Voilà, on va essayer quand même de limiter les pertes. Je ne peux pas saboter ça tant que je n'ai pas amélioré le bruit. Mais non, mais c'est pas ça que je veux que tu sabotes, voilà, c'est son arme. Voilà un disque dur, chef. Bien joué. Surtout ne négligez aucun recoin. Si Monsieur Stagg pense pouvoir nous cacher ses fichiers, il se met le doigt dans l'œil. S'il le faut, on mettra ce dirigeable en pièces pour les trouver. Et pour pas de trace, c'est pour ça qu'on a le drone. Laisse-le venir. Nickel. Deux en moins. Je me demande bien. Hey, le drone vient de s'écraser. Ça va? C'est bon là, j'ai le signal. Merde. Fais chier, allez. M'en fous, ton arme elle est morte. Ah. Allez. Ah. 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 Salut. Bam. Maintenant que la voie est libre, je peux utiliser cette console pour désactiver les défenses du dirigeable. Alors la console. La console. Un scanner limite l'accès au système d'armement uniquement aux empreintes digitales de Stagg. Sans ces empreintes au complet, je ne pourrais pas entrer. Les caméras de vidéosurveillance me seront peut-être utiles. D'accord. Je devrais analyser la vidéo pour voir si les mains de Stagg ont touché quelque chose pendant l'enlèvement. De là, je pourrais peut-être reconstituer ces empreintes. Stagg doit avoir laissé une empreinte au sol, ici. Je devrais examiner d'autres endroits qu'il a touchés. J'aurai plus de chances de trouver la totalité de ses empreintes. Voilà, nickel. Et voilà, ici. Il a touché le sol après être tombé dans les escaliers. Je dois chercher d'autres empreintes. Là. Il a touché cette rampe quand il s'est redressé. Il me faut plus d'empreintes pour finir la reconstitution. Stagg a laissé une empreinte, près de la sortie de la pièce. Je sais où Stagg a laissé ses empreintes. Je n'ai plus qu'à scanner ses emplacements. Alors, c'est quoi le plan ? J'ai une empreinte d'index juste ici. Encore trois lieux à analyser. Oh, en parlant de toute petite miette, je me demande comment va Barbara. En parlant de toute petite miette, je me demande où est Barbara. C'est vraiment dire c'est une miette. J'ai terminé la reconstruction de l'empreinte du pouce de Stagg. Encore deux points à analyser.
Ouais, bah il y a lui, mais l'autre après, je sais pas. Faut que je regarde. Il a laissé des empreintes de son annulaire et de son auriculaire à cet endroit. Il reste encore une zone. Ah bah oui, dans les escaliers, oui, ici. J'ai toutes les empreintes. Je devrais pouvoir accéder au système informatique de Stan. Nickel. Franchement, vive la technologie. La construction des empreintes de Staggy pour accéder à l'ordinateur. Oh, quelle idée brillante, Batou. Oh, dis donc, juste après, on pirate son compte sur Rancard.com. Je ne peux pas désactiver les tourelles de l'autre dirigeable à distance, mais je peux contrôler les tourelles de celui-ci. Les armes ne sont plus un problème. Passons à l'épouvantail. Nickel. Allez, go. Maintenant qu'on a ces empreintes, normalement on peut passer directement sur les portes. Voilà, par les portes. Je ne suis pas Monsieur Stagg, mais je vous ai couillonné, au revoir. Monsieur, concernant l'identité de ce fameux chevalier d'Arkham... Qu'avez-vous trouvé ? Rien, monsieur. Parmi les anciens détenus d'Arkham City qui ont disparu dans l'évacuation, aucun ne correspond au profil. Il faut élargir. Quand le Joker a pris Arkham, des dizaines de détenus se sont enfuis. Cherchez des hommes jeunes avec un vécu militaire. Je télécharge les fichiers, monsieur. Nickel. Allez, go. Ah, je peux pas y aller ? Non, ok. Oh, ça fait chier. Je suis re-obligé de le pirater alors que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. De la milice peuvent libérer une charge électrique temporaire. Je ne peux pas les frapper tant que c'est le cas. D'accord, bon. Je vois que même les gardes s'améliorent maintenant. Bah c'est parti, hein, qu'est-ce que tu veux? Allez, go. Ah. Ah. Vous allez tous être défoncés par mes mains. Et par mon talent, ma rapidité aussi, ma beauté. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Wayne, mais une autre amélioration pour la voiture est disponible si vous êtes intéressé. D'accord, bon, alors choisir une amélioration. IEM. Virus, IEM. Refaire. Excellent choix, monsieur. Rien de mieux qu'une petite explosion électromagnétique pour se dégager un peu d'espace. Pas d'inquiétude, la Batmobile ne craint rien. Allez, c'est parti. On pirate ça aussi, on va ouvrir la porte directement. Ah. Allez, go. Bah c'est parti. Allez, j'arrive. Ah. Mal bonjour. Oh putain, on enlève les petits ninjas. Allez. Ah. Oh bien joué. Allez. Parfait.
On pète le petit mur, c'est parti. Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Notre vieil ami, Monsieur Stagg, a manqué à son devoir qui consistait à garder le déluge chargé et prêt pour l'opération. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Je veux des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. D'accord. Bah, je vais l'arrêter, cet enfant. Alors, je fais comment, ici ? Alfred, Stagg et l'épouvantail collaboraient sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais dans ce cas, monsieur, pourquoi l'épouvantail attaque-t-il Stagg ? Stagg a dû essayer de le doubler. Il veut le dispositif. Je vous débloque l'accès au réseau informatique de Stagg. Cherchez ce que vous pouvez trouver sur le déluge. Je veux savoir ce que c'est. Entendu, monsieur. Je devrais quitter Gotham avant qu'il revienne. Bon bah, on va pirater ça, hein. Allez. Le bat-ordinateur. Y'a quoi dans... On va voir ce qu'il y a dans la cellule. Ah d'accord, tout ça pour un trophée quoi. Génial, merci. Oh, en plus, c'est un petit jeu très merdique. J'aime pas du tout les trucs d'homme mystère. Faut toujours réfléchir, c'est chiant. Quoi. Après que tu m'as laissé battu et je suis l'homme mystère. On ne m'avance pas rapidement. Alors, résume mes énigmes, si tu veux. Elles seront très importantes. Par contre, là, oui, tu le seras. Oh, pitié, non! J'ai vu ce que cette chose faisait! S'il vous plaît, aidez-moi! En neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper. Waouh, il y a des mecs armés en plus. Bon, c'est parti, allez, go! Très bien, messieurs. Il faut qu'on charge le déluge et qu'on empêche Batman d'atteindre le boss. Manquez un seul de ses objectifs et je veillerai en personne à ce que vous preniez un grand bol de gaz avec Stagg, compris? Nickel. Voilà, on va essayer de se les faire. Allez. Finir le ravitaillement. Bien le bonjour. Tu te tais, tu te tais. Fais dodo, c'est ça. Comme dans Bonne Nuit les Petits. On va te jeter du sable sur le visage. Oh putain. Oh. Comment il s'est retourné en dernière minute, quoi. C'est quoi cette foutue cablotte ? Y'a un truc qui bouge là-dessous. Moi, t'as bien amoché. Je vais évaluer les dégâts. Perdu ! Faut chercher les zombies en combat. Allez. Batman frappe fort. J'ai une idée. Pas autant que les balles. Ah ! Merde. Ah. Tu vas pas m'avoir comme ça, t'es trop gros.
Pas encore. Le déluge n'est pas totalement chargé. Vous devez me faire sortir d'ici. Ils sont cinglés. Vous m'avez menti. C'est votre dernière chance, Stagg. La dernière. Bon, d'accord. Écoutez, l'épouvantail m'a contacté. Il avait besoin de mon aide pour le déluge. À quoi il sert ? Non. Les laissez pas me toucher. Ce foutu déluge, Stagg. Dites-moi à quoi il sert. Je ne sais pas. J'en ai partout sur la peau. Ah, ils sont en train de me grimper sur le visage. Ah, je devrais vous abandonner à vos cauchemars. Ça doit être horrible, n'empêche d'imaginer sa pire... Enfin, sa pire frayeur, au final. Ok, c'est maintenant le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Comment on décide? Très bonne question. Oh, chaud, il y en a deux. Oh, d'accord. Approchez. Venez jouer à trouver le véritable épouvantail. Alors, où est notre premier candidat? Là, je sais pas. L'homme avec les oreilles pointues. Venez tenter votre chance. Quel est ils votre ont la même tenue. Monsieur. Bon, allez, au pif. Allez. Alors, ça ne sert à toi. Allez, go. Oh, merde. Ah bah génial hein ce petit jeu. Tu n'es pas en train de mourir, c'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons, elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois ? Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu as le plus confiance? Tes secrets les plus sombres révélés? Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. J'arracherai ce masque de ton visage et le monde entier verra la peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Non, il n'y a pas de sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. C'est peut-être déjà le cas. Quoi? Regardez-moi. Je déchire grave. Et ce corps, il est balèze. C'est incroyable. Ah ouais. Je suis devenu le Joker, alors maintenant il faut faire attention à moi! Reste! N'approche pas de moi! Tiens, ça suffit! Extraordinaire! Quelle brutalité! Tu as failli tuer ces individus. Tu étais prêt à abandonner tes convictions. Toutes les idées que tu défends. Tu voudrais te convaincre que tu n'es pas comme nous. Tu te dis que tu es plus que ça, que tu es mieux. Commence à me saouler avec tes conneries. Ce n'est plus pareil.
tu es spécial. À ce stade, je dirais qu'il est encore en chantier. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est fini. Inutile de courir. Je n'ai jamais dit que j'allais courir. Ah putain, mais moi je dis, on a encaissé un peu, hein. Monsieur, l'épouvantail diffuse un message dans toute la ville. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait de voir ta ville sur le point de sombrer et tes amis sur le point de mourir? Cette fois, tu as atteint tes propres limites, Batman, et ton échec sera bientôt incontestable. Quand la dernière étincelle de vie quittera son corps inerte, elle saura que c'est toi le seul responsable de son malheur. Alfred, il a emmené Oracle dans son repère, à Chinatown. Je suis en route. Faites vite, monsieur, je vous en prie. Qui sait ce qu'il va lui faire? Ouais, très bonne question. Bon ben mes amis, on va se quitter là-dessus. On sera dans le prochain épisode tout simplement ce qui va arriver de Oracle, si on arrivera d'ailleurs à la sauver. Ou pas, on verra comment ça ira, hein, de toute manière. Ça sera dans l'épisode 7, si je ne me trompe pas. Et de toute manière, bah, je vous dis à la prochaine, jusqu'à là. Sinon, bah, y aura d'autres, peut-être d'autres vidéos tout simplement qui arriveront. Je compte faire aussi un let's play sur God of War 3 Remastered. Or, God of War a totalement la même histoire que celui, le premier qui est sorti, vu que c'est le même. Mais c'est la version remasterisée. Mais comme je n'ai jamais fait de God of War en let's play, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire. Mais bon, on verra. On verra. En tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu et que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et prenez bien soin de vous, mes amis. Allez, à toutes. Au revoir.